I gotta fill you all in about a Rosie Madone who's unemployed, three kids and a cat at home. Pendant ce temps, Léo s'était approché d'une fenêtre de derrière. J'ai fait comme lui, avec Lisa dans les bras. On a essayé de regarder dans la maison, mais il y avait des espèces de chiffons tendus et de cartons qui servaient de rideaux. C'était pas évident. Pourtant, on a fini par trouver des trous et réussir à voir un peu ce qui se passait là-dedans. On a observé. Le beau gosse avec les yeux de fer était à une table. Il avait tombé la veste. En bras de chemise blanche, il allumait une cigarette. On a vu Irina traverser la pièce pour se réfugier dans un genre de cagibi sous l'escalier. Elle a refermé la porte derrière elle, mais à peine avait-elle terminé son geste qu'une voix a retenti. « Rina !» Il gueulait si fort qu'on l'entendait de la rue. Il a dit un truc toujours dans cette langue qu'on ne comprenait pas. Irina est ressortie de son trou et elle a bricolé dans un coin de la pièce qui faisait cuisine. Pendant que sa casserole chauffait sur un réchaud électrique, elle a mis la table pour le type. J'en avais assez vu. Il fallait absolument que je fasse quelque chose pour cette fille. Mais on peut faire quoi contre un père? En parler à Borelli, mon pote flic? J'allais quand même pas cafeter sur elle, chez les flics, sans savoir de quoi il retournait. Je risquais de faire plus de dégâts qu'autre chose. Borelli, lieutenant de police ou capitaine, qu'en sais-je, était à la fois mon empêcheur de tourner en rond et mon sauveur. Mais je m'en méfiais car il restait flic avant tout, même s'il m'avait, il faut bien le dire, arrangé le coup une ou deux fois. « On rentre, j'ai chuchoté à Léo. Les haricots nous attendent. Et il est déjà très tard pour les enfants, il y a école demain. » À mi-chemin, j'ai échangé Lisa contre Emma dans mes bras et on a marché silencieusement vers chez nous. Cet épisode nous avait tous fatigués. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, lisez le livre d'Alice Quinn, L'ombre du zèbre. Merci. Should she turn the money in or deposit it? Where'd it come from and why was it thrown in the trash? And what will happen if they come looking wanting it back? Action packed with laughs and all of the above. Download this book now to find out what she does.